Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo au golf le Blue Green de Saint-Étienne. En effet, j'ai appris qu'ils avaient une technologie qui m'intéressait sur leur practice, qui est la technologie Perfect Line. En effet, cette technologie vous permet d'avoir un tracé, un peu comme avec un trackman, et donc de voir directement sur un écran votre vitesse de balle, la distance portée, la distance roulée que vous venez de faire. Un des avantages également de cette technologie, c'est que ça permet d'étalonner ses fers pour le prix d'un saut de balle de practice. Donc je vous retrouve tout de suite au golf de Saint-Étienne. Donc voilà, si on regarde ce que ça donne sur ce bois 3, du coup, on voit ma distance portée ainsi que ma distance roulée. Donc sachant que à gauche, c'est avec la compensation de la balle de practice, et à droite, ce qu'a réellement fait la balle de practice. On peut voir aussi la vitesse de la balle. Donc 128, l'angle de décollage, la courbe, la hauteur et la durée de vol. Et l'atterrissage qui est pas mal aussi de savoir. Donc voilà, si je vous montre un peu à quoi ressemble l'accueil. Donc là j'étais en mode échauffement. Après il y a donc le mode entraînement dans lequel on va aller, mais sachant qu'on peut faire aussi un parcours virtuel, un concours de précision, un concours de drive et un jeu de cible. Et donc ça peut jouer à plusieurs. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon entraînement. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, on peut calibrer ces clubs grâce à ça. Donc on va commencer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je peux récupérer les choses sur l'application. Donc je vais plutôt me filmer de façon normale en train de frapper. Et je vous montrerai les résultats après. Donc ça charge. Et voilà. Et donc ici, on peut choisir avec quoi on tape. Les hybrides, les fers, les wedges. Voilà. Alors juste un petit point, je voulais juste vous montrer ça, c'est que via l'application, j'ai pu rentrer mes clubs. Et du coup, voilà, vous retrouvez tous mes clubs. Donc le driver, mon bois 3, mon Iesis, tous mes fers et tous mes wedges. Donc je vais commencer avec mon lob wedge, hein, en 60 degrés. Donc juste ce qu'il fallait faire sur l'application, c'était sélectionner une cible. Donc moi, ma cible, c'est un des drapeaux jaunes qui est au milieu. Donc voilà, une fois qu'on a tapé les trois coups, voilà à quoi ça ressemble. Et donc pour mon lob wedge, ça me donne ces moyennes-là. Du coup, j'ai une distance portée d'en moyenne 78 mètres, 68 mètres, total de 70 mètres, une vitesse de balle de 67. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec tous mes fers. Donc je vous mettrai quelques swings au passage et à la fin, on regardera mes stats. Donc voilà, je voulais déjà vous montrer parce que je viens de faire plusieurs wedges. Et donc on peut voir déjà que ma dispersion est pas trop mal en termes de distance. On voit bien le lob, le sound et le gap. Donc voilà, tous mes coups ont été réalisés. Je me m'étais trompé en vidéo, il faut bien faire 5 coups et pas 3. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai tapé 5 coups avec chacun de mes clubs. Et donc on arrive à ces résultats-là. Donc si on regarde, j'ai un lob wedge qui va à 68 mètres, sachant que c'est une distance portée, c'est pas une distance roulée. Et j'ai un driver qui va à 165 mètres, un fer 7 qui va à 129. Bon, donc du coup des distances qui sont assez intéressantes à comparer, mais on regardera après. Ce que je remarque, c'est que mes wedges sont pas trop mal. J'ai un écart donc de 14 mètres entre mon lob et mon sand. Et un écart par contre de 20 mètres entre mon sand et mon gap. Sachant que mon gap, j'ai plutôt très bien touché. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai autant de distance. Et un pitch qui est à 113 mètres.
qui à peu près correspond à ce que je vis sur le parcours. Deux remarques en revanche, c'est que je n'ai pas d'écart entre mon fer 8 et mon fer 9, sachant que j'ai eu beaucoup de mal à frapper mon fer 8, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'écart. Et par contre, je n'ai pas d'écart non plus, quasiment pas, entre mon driver et mon bois 3. Ce qui me fait penser que mon driver est peut-être pas adapté pour moi, car aussi bien mon bois 3 part très bien, j'ai beaucoup de mal avec mon driver à faire partir les balles en ce moment, donc est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est qu'il n'est pas adapté? Donc je me dis peut-être un de ces quatre, essayer avec un autre driver de tester au practice et voir s'il y a une différence. Petit point de détail, quand on clique sur un club, voilà ce qui apparaît. Donc on peut voir la distance de chacun des shots, aussi bien portée que roulée, la vitesse de la balle, et aussi ce qu'on peut voir en haut, c'est la dispersion. Comme vous voyez dans le petit groupe de points bleus, là c'était sur mon lob wedge. Et après, si on regarde par exemple sur mon driver, on voit qu'il y a une dispersion qui est quand même beaucoup plus importante par rapport à l'axe central. Autre petit point de remarque pour certains qui auraient peut-être noté dans mes distances entre mon fer 4 et mon fer 5, la distance portée est à peu près la même, mais en revanche, la distance roulée est plus importante sur mon fer 4. Donc pour m'amuser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé ce tableau comparatif des distances club et du niveau du joueur. Donc si on regarde par exemple ma distance de pitch, on peut se rendre compte que par exemple je serais plutôt autour d'un handicap de 0 à 9, mais par contre sur le driver, vu que je pense que c'est la distance roulée hein, dans le tableau, je serais plutôt autour d'un 10 à 15, voire 16 à 25. Donc j'ai un travail à faire justement sur cette distance-là, qui est celle du driver. Mais bon, après, je pense que voilà, c'est plus un tableau comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte dans l'handicap. C'est tout simplement aussi le jeu court et le putt. Bref, en tout cas, c'était une expérience très intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à tous aller voir si vous avez un golf proche de chez vous qui a cette technologie. C'est quand même assez marrant à tester. Ça ne coûte pas très cher, du coup, vu que c'est le prix d'un. Du saut de practice. Je vous mets la carte du coup là à l'image pour que vous voyez, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Par exemple dans la région il n'y en a qu'un, c'est à Saint-Étienne. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!